Yo tout le monde, c'est Nfemouskas, j'espère que vous allez vraiment très bien les amis. Moi de mon côté je vais vachement bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 35 de Nuke avec toutes les armes. Aujourd'hui on va attaquer un pistolet que j'apprécie énormément, qui est assez old school par rapport au semi-automatique. C'est le Colt Anaconda, ou plus communément appelé le .44 Magnum, donc le revolver si vous préférez. Donc écoutez, ben voilà, on va se retrouver dans un match par équipe dans Afghan, dans des gens. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne le mute pas encore, je suis en train de réfléchir moi-même à ce que j'ai pu faire. Donc le gameplay date quand même du 21 mai, hein, donc il date quand même d'il y a quelques temps. Vous allez voir que c'est... Au début je voulais le faire, je pense, je sais plus si je l'ai fait en akimbo ou en simple. Non, c'est une... Je me pose la question aussi. De toute façon, on va certainement le voir dans quelques petites secondes. Et je vous promets, enfin pas que je vous promets, mais normalement si mes souvenirs sont bons, ça serait encore un assez beau gameplay. Je sais qu'il y en a un qui m'a vraiment troué le cul, je pense c'est Desert Eagle, où j'ai vraiment carburé comme pas possible. Mais bon, on va voir ça petit à petit, de toute façon vous avez encore le temps, là on a encore normalement 10 épisodes, puisque si j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et j'arrive donc à 45 vidéos, donc vous vous rendez compte, 45 nukes avec toutes les armes, c'est quand même relativement pas si mal. Donc écoutez, c'est parti, alors voyons à quoi est-ce que je joue. Hop, ma classe elle est où? Ah ben voilà, donc je joue bien avec le Colt Anaconda balle chemisée. Donc pas d'akimbo, parce que bon, les akimbos ça aurait été peut-être dans un sens trop facile de près, mais de loin ça aurait été plus difficile. Donc c'est parti, écoutez, on en a pour grosso modo 4 minutes de gameplay. Donc je vais essayer de vous commenter ça de la meilleure façon possible. Alors comme d'habitude, je joue toujours avec Ninja, et vous avez vu que Ninja Pro c'est limite à radar actif, hein, si vous avez un casque. Franchement, un casque gaming avec Ninja Pro, les gars. C'est, alors regardez ça, gros blaireau qui colle, alors hop, 2 balles, 3 balles, on est déjà à 3 kills. Je dis, si vous avez Ninja Pro, franchement c'est limite un radar actif en fait, avec un casque, parce que vous entendez tellement les bruits de pas de loin, enfin de loin, et précisément l'audio sur ce jeu, elle a été mais vraiment vraiment bien faite, c'est vraiment... Alors toi je t'ai vu, on va le prendre à revers. Bonjour, comment tu vas? Moi je m'appelle Ifebus. Alors hop, j'ai vu, regardez, j'ai mon brouillage qui passe. Hop, je sais qu'il y a encore un mec dans le coin. Il est limite en train de m'arroser, donc on va gentiment le laisser passer. Oh, regardez-moi ça, c'est juste énorme, c'est... Ça fait tellement plaisir en fait de faire des kills comme ça au... Ouais, bah, 44 Magnum, alors là, attention, est-ce que je vais l'avoir? Voilà, là j'ai mon arrière. Donc là je me dis chic, j'ai déjà mon arrière, ça me semble juste énorme. C'est d'ailleurs, c'est bizarre que je suis pas encore mort, vous savez. Voilà, ici j'ai failli crever. Donc là vous avez vu que je suis vraiment dans la merde, puisque je ne sais pas où est-ce que je pourrais vraiment aller me cacher, puisqu'il y a des snipers partout, et c'est vraiment assez perturbant, quoi. Donc je suis vraiment coincé. Je peux pas aller trop là-bas, parce que si je vais trop là-bas, ils vont me spawner dessus. Enfin, c'est vraiment la merde, donc voilà, j'ai pas d'autre choix, c'est de me mettre ici en attendant 2 petites minutes, que mon mitrailleur fasse quelque chose, mon mitrailleur, que mon arrière fasse des kills. Hop, allez, et voilà, c'est parti pour mitrailleur hélicoptère, les gars. Donc là maintenant ça va chier. Je dois vous avouer que quand j'étais tout excité, on se comprend, parce que j'étais pas encore mort une seule fois de la game, et parce que je peux vous dire que j'ai déjà tenté plusieurs games quand même avec le Colt Anaconda. Donc là ça fait vachement plaisir, donc là c'est parti, on attaque comme d'habitude. Alors voilà, là, gros fail, il n'y a plus personne sur la map. Ça c'est le truc qui me saoule vraiment vachement fort, c'est que les redbox parfois elles mettent du temps à apparaître. Hop, donc là voilà, hop, on kill. Alors là, vous avez vu, en fait, je me fais tirer dessus par quelqu'un, mais je ne le trouve pas. J'entends les balles qui percutent contre la carlingue de l'hélicoptère, mais je n'entends, enfin, pas que je n'entends rien, mais je ne le trouve absolument pas. Donc ici, attention, et voilà le nuke 44 Magnum, 25-0. Qu'est-ce que ça fait plaisir, les gars. Je vous avoue que quand je claque des nukes comme ça avec des armes, je vais pas dire époustouflant, parce qu'il faut pas exagérer, mais... ça fait vraiment plaisir, regardez, hop, tout content, et boum. Non, je la lance pas encore, je dis 27-0, pourquoi est-ce que je ne la lance pas? Ah, attendez. Je vais certainement vouloir faire le gourmand, je vais me prendre une branlée, ça je m'y attends certainement. Non. Tiens. Ah ben oui, voilà, c'était ça. J'ai voulu faire le gourmand, ah ben voilà. Donc écoutez, ben voilà, nuke au 44 Magnum, success, hein, réussi, fail, pas fail, pass, pardon.
Donc voilà, bah ici maintenant bah c'est parti. Le prochain épisode sera donc l'épisode numéro 36 au M9. Alors dans mes souvenirs, j'aurais mis le M9 avec grand chercheur ou belle chemisée. Ou en Akimbo. Là peut-être j'aurais mis les Akimbo, je ne sais plus. Donc écoutez, il reste 20 secondes. Donc moi je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Donc à demain ou après-demain pour le prochain épisode. J'espère que vous serez nombreux à le regarder, que ça vous intéresse toujours autant. Si vous avez des idées d'armes avec des accessoires, donc des petits challenges, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je dis prenez soin de vous. À la prochaine. Donc pensez à liker, commenter, à vous abonner. Et je vous dis ciao, bye bye.